biographie de Alirali Bangoura. Alirali Bangoura dit Yali Yali, né en 1996 à Kindia, quartier Balieu. Fils de Abdoulaye, le grand menuisier de sa profession, et de Mafoudia Koumbassa, commerçante. Alirali Bangoura a commencé sa carrière footballistique dans le quartier avant son départ fin 2016 en Tunisie, là où il a fait son premier test et il a bien décroché son test. Mais malgré son jeune âge, Yali Yali était maintenu dans le centre pour au moins 8 mois de formation avec Club d'Israël, l'équipe B. Un jour, le directeur sportif hollandais a vu comment Yali Yali jouait avec ses coéquipiers. C'est ainsi qu'il appela Yali Yali dans son bureau pour l'encourager de son talent et surtout le travail. Et le même monsieur qui cherchait les préparateurs physiques pour le jeune joueur Alirali Bangoura. C'est après les 8 mois, 9 mois, Yali Yali était sélectionné par l'équipe pro d'Israël, là où il a été champion. C'est une grande concrétisation aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi. On a beaucoup souffert, on a beaucoup travaillé avant le jeu, avant la compétition. On est déjà en compétition, Coupe de la CAF, demi-finale, ça nous donne plus de l'effort. Aujourd'hui, on a montré sur le terrain, parce que c'est pas facile, 2-0. Pendant les premières 15 minutes, on a remonté, on a égalisé le match, on a égalisé le but. Donc, on est très content, surtout moi, parce que cette compétition comme Coupe de la Tunisie, c'est une grande chose. Et maintenant, il y a aussi peut-être les demi-finales de la Coupe de la Confédération. Il faut travailler plus pour y arriver. On prépare ce match-là aussi parce que ça reste encore 3 semaines. Donc on prépare le match petit à petit. Merci, il y a OK. Aïe, maintenant, le Sénat pour les Sèvres. Khali Bangoura. De la Tunisie. Aussi, il a pris la Coupe de la CAF et titulaire parmi tous les grands footballeurs qui sont passés avant lui. C'est ainsi que son agent Taban Kamara a cherché un club vers l'Europe. Mais très malheureusement, l'offre n'était pas bonne. Car le club dans lequel il jouait, l'Étoile d'Israël, n'a pas accepté. Enfin, l'Étoile d'Israël voulait que le jeune Yali Yali signe son contrat en Arabie Saoudite. Mais Alirali Bangoura avait maintenant l'idée d'avancer. Il avait toutes ses conditions bien remplies en Tunisie. Et il était traité comme un prince. Il accepta de signer les 3 ans de contrat avec l'Arabie Saoudite. Arrivé en Arabie Saoudite, Alirali Bangoura a rencontré beaucoup de difficultés. Tous les grands clubs tunisiens faisaient concurrence à l'Étoile d'Israël. Donc vers la fin, son nom ne figure point sur la liste des sélectionnés. Néanmoins, il s'entraînait et faisait tout avec le club. Mais son entraîneur ne faisait qu'à refuser de le sélectionner. J'ai accepté l'offre de la club Belgique Louvière Centre. J'ai signé 6 mois là-bas. Mais les 6 mois, je suis allé au Sénégal pour prendre le visa. J'ai tout fait. On ne m'a pas donné le visa. Qui avait les manque de documents qui ne sont pas sur place. J'ai traîné jusqu'à les 6 mois sont finis. Je suis venu rester ici en Guinée en attendant de trouver une solution avec eux. Donc, je me suis retourné en Arabie Saoudite, aller trouver une solution avec eux. On m'a fait comprendre aussi que c'est pas facile, donc reste ici, tu vas jouer, concentre-toi. Mais je voulais quitter parce que ce que j'ai vu là-bas, c'est pas le progrès. Et moi, je veux progresser parce qu'il y a l'équipe nationale qui m'attend, tout le monde attend beaucoup de choses de moi. Donc, j'ai décidé de quitter. J'ai tout fait aussi, ils n'ont pas accepté. Ils m'ont dit encore de chercher un club pour le prêt. Eux, ils vont prendre tout en charge. Mon agent a cherché encore un autre club sans Serbie. Donc j'ai signé un an, servi là-bas. Le club saoudien, ils ont payé tout mon salaire intégral. Ils ont
versé dans le compte de mon agent. Son grand sûr, quelle fois la camara. Yali yali yo, moni tantouma, moni masema, ibanta walina, na baba na mbombo de yandi. Chidan, sa kufa nyinira, sugyo nyoko menta tuma bili na mbuma. La panne yali yali rafira nana de rafeto yali yali namane musa bumas la bufanye ne ira la mfe mare bumbe kere isa na fanke bumbe mana ke taban fanna una to yali de rafeto wa kolo sabu na senine anda barika na foto kompoye Bon, je vous remercie de m'avoir accordé Ali Bangoura. Yali Ali Bangoura, c'est un jeune que je l'ai connu depuis Kindia dans le quartier de Balio. C'est un jeune très bien, très respectueux. Parce que je l'ai aimé comme mon propre fils. En ce moment, je me rappelle quand ma maman ici vendait du charbon. C'est-à-dire, ma maman vendait du charbon au marché. Et également, sa maman aussi exerçait le même métier que ma maman. C'est comme ça le petit évoluait, c'est-à-dire avec sa maman aussi vendait ces trucs-là pour pouvoir nourrir ses enfants. Donc, vu cela, le petit il a évolué jusqu'à ce qu'il est devenu un grand joueur. Alors, tellement que j'ai aimé le petit, à travers ses manières, à travers ici son comportement, parce qu'il avait un bon comportement, il était obéissant, il était respectueux. Donc, je pouvais même, c'est-à-dire chercher à tout prix, c'est-à-dire quand on organise un match, que j'entends seulement que le petit vient pour jouer à Conakry pour un match, alors je cherchais toujours des transports pour pouvoir aller regarder le match du petit. C'est pas parce qu'il a l'argent, c'est pas parce qu'il est riche que je suis près de lui, non. C'est parce que je l'ai connu dès son, dès son jeune âge. Je l'ai connu dès son enfant, je l'ai connu. Et à travers ses manières, à travers son comportement, je l'ai aimé. Raison pour laquelle j'aime suivre ses matchs. Et même si quand je vois des erreurs, c'est-à-dire des personnes en train de critiquer le petit ou soit en train de mal parler de lui ou le diffamer d'une manière, alors ça me faisait très mal. Et je pouvais même réagir sur ce ton même parce que tellement que je l'ai aimé. C'est un grand joueur que j'ai aimé et jusqu'à ma mort. C'est vrai que je suis vieux, c'est mon enfant. Et jusqu'à ma mort, moi, je vais l'aimer. Alors, en ce jour, ce que j'aurai à dire, c'est-à-dire je prierai toujours ce grand Dieu afin qu'il accorde à cet enfant une longévité, afin que cet enfant-là puisse, oui, durer longtemps sur terre pour qu'il puisse nous montrer encore du jour au lendemain des nouvelles, c'est-à-dire des nouveaux talents, afin que, oui, le monde ici puisse le voir en tant qu'un grand joueur. Et aussi à cette nouvelle génération, je les prie aussi également de suivre les traces de ce jeune talentueux et qu'ils aient, c'est-à-dire qu'ils prennent de l'exemple sur lui pour une bonne réussite, pour un bon meilleur avenir. Je vous remercie. خرجوا بلعبيت النترجية الكلية بانكورا كورا مع عيب المباركي بانكورا استعمل الفنيات وشو لمسة ذكية من المساك نعين بريكي التوزيع على القيمة الثانية حمدي لكي بالصنع شقها اسمعوا الناس هنا في ملعب الطيب المهاري الآن محاولة على طول ليب العوبة والإطوال الله اللقاء عمار الجمل أعلن
بفوز بهدف مقابل لا شيء، ولدينا تقدم وفرصة أخرى تنحط الكرة خطيرة. وطن ميدان خازي عبد الرزاق لألكالي بنكورا اللي نلقاه اليوم على الرواق الأيسر لهجوم النجم الهلالي في محور دفاع الإطوال المتكون من عمار الجمل وزياد بوكتاس. كرة أخرى من خازي عبد الرزاق يرفع الكرة على القائمة الثاني بنكورا الكالي صوب هذا الأول. عمار الجمل في ثاني هدف بعد كرة وتوزيعة من خازي عبد الرزاق ملا الخدمة خدمها الكالي بنكورا اللي مهد لعرض يمنح الانتصار الآلي والتقدم للنجم الساحلي. كرة Ok, merci vraiment d'avoir me donné l'opportunité de parler de mon fils. Moi, je m'appelle Bafoudia Kumbasa. Je suis la maman de Ali Ali. Ce que je peux dire à propos de sa carrière depuis son enfance. Bon, Ali Ali, c'est un enfant qui a toujours respecté la famille. En tout cas, tout allait bien en un mot. Mais ce que moi, je n'aimais pas, c'est parce que il jouait trop. Bon, et nous les femmes, on s'oppose beaucoup à ces choses de ce genre. Surtout quand un enfant bon, qui ne connaît rien, qui est innocent, tu ne peux pas le laisser faire du n'importe quoi. Donc, je m'opposais, son père et moi, en tout cas nous n'étions pas d'accord pour qu'il puisse jouer. Il jouait quand même, c'est-à-dire du jeu qu'on appelle Africa Lottery. Bon, mais malgré tout ça, il n'a jamais volé. Voilà, c'est la chose vraiment qui m'a beaucoup plu. On ne s'est jamais plaint de lui. Et même à chaque fois qu'il partait au terrain pour jouer avec ses amis, quand il revenait, bon, son père et moi, on s'énervait le plus souvent. Mais par après, son père a vu que vraiment l'enfant aime le football et qu'on ne pouvait vraiment pas s'opposer à ce qu'il rêvait. Donc, son père m'a appelé une nuit. Bon, il m'a expliqué, il a dit vraiment de laisser l'enfant faire ce qu'il désire. Et c'est dans ces phases que nous l'avons laissé, n'est-ce pas, jouer. Ok, et pour être un peu plus court, un renommé M. Touré qui est venu vers la famille en nous proposant d'envoyer, n'est-ce pas, notre fils en Tunisie. Et c'est ainsi qu'on a cherché les nécessaires pour préparer, n'est-ce pas, le passeport. On a béni l'enfant et il est parti. Bon, et moi j'étais toujours là à Kindia. J'ai reçu l'invitation de mon fils en me disant d'aller faire quelque temps avec lui, n'est-ce pas, en Tunisie. Donc, je suis partie. On a duré un peu, après je me suis retournée chez moi parce que je suis tellement habituée ici. Après, bon, après 2 mois aussi, il m'a aussi envoyé une lettre et de l'argent pour que je puisse partir à la Mecque. Et je suis allée aussi à la Mecque. Tout ça, c'était vraiment grâce à mon fils. Et c'est de là que j'ai compris que vraiment, il ne faut jamais s'opposer, n'est-ce pas, aux rêves de l'enfant, parce que Dieu nous donne l'enfant, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut devenir. Le mieux, c'est de l'éduquer vraiment partout où il soit, pour qu'il soit, n'est-ce pas, un modèle. Il a fait beaucoup de choses pour moi, parce que avant, je vendais du charbon. Voilà, je me débrouillais pour subvenir aux besoins de la famille. Et aujourd'hui, il m'a interdit carrément de ne plus vendre parce que ce n'est pas joli à voir. Il a construit une boutique. Bon, c'est tout ce que je peux vraiment vous dire. Je suis très ravi aujourd'hui, le fait que je m'exprime devant votre micro. Vraiment, j'ai prié Dieu pour qu'il puisse soutenir mon fils. À tout où il est, vraiment, ma bénédiction l'accompagne. Yali yali, passe rabida sou la guinée n'y a mal n'y a retiré là. Moua ma coupe n'ango, ira kate biri naba moura coupe soto. Bore gra gwekbe ania doni nama da wibari. Yali yali, tante sobe n'ango ma. Inama wayende fira ba nyama langa inagama. Bisa, ira coupe raso, la guinée biri mwa ma nanango ma. Mou n'y a retiré là. Ouna to, yali de refito. Wakulu sabu na senine. Anga balka na fora. Ababa balka na fora. Yali yali, 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 yali y
Adi, Monita Ntuma, Irakolon Sabrina Randaïda Fatake Inganana, Adriana Randaba. La parole, le cas de Yali Ali, c'est un don de Dieu. Parce que moi, personnellement, je connais rien dans le football. Mais des fois, je pars au terrain et je prends la photo des joueurs. Ainsi, j'essaie de mettre ça sur les réseaux sociaux. Un jour, il y avait un ancien joueur qui était à sa retraite. Qui avait pris sa retraite. Et c'est lui qui m'a contacté. Il m'a demandé si j'ai de bons joueurs. J'ai répondu, bah oui, j'ai de bons joueurs. Et il m'a dit, dis-moi si tu as des excellents joueurs. Je lui ai répondu oui. Mais sauf qu'en ce moment, il y avait beaucoup de joueurs que je connaissais. Mais il y avait un seul dedans vraiment qui était vraiment le numéro 1, c'était Yali Ali. Il était le numéro 1 de tous les joueurs que je connaissais. Et quelques semaines après, le gars m'a appelé. Et il m'a rappelé, dire encore de sélectionner le meilleur joueur. Tout à coup, j'ai contacté son entraîneur Zidane du côté de Kenya. Je lui ai dit de bien préparer le joueur Yali Ali et de le convaincre d'aller jouer en Tunisie. Et c'est ainsi que le petit Yali Ali a accepté l'offre. Quelques mois après, il a reçu son invitation en Tunisie. Là où il a fait son premier test et il a eu. C'est comme ça que le truc s'est passé. Donc je remercie. Mais c'est Touré, Irakolon, Sabunida, Sabufanirida, Ibantafé Naranaba, Yali. Alarissa Refi, Ouattara Rebou, Entraîneur Mambo, S Mambo Kanyi, Barafé Fanira Bala Guinée Genebe, Inderani Tidiji, Inderani Maroc, Alako la Guinée Balonga, j'aime bien son ton. Inato Yali de Rafito, Wakolo Sabuna Senine, Anta Balikana Fora, Ababa Balikana Fora. Son grand sœur, quelle fois la camara, la bouffagne n'aïra. Ok, merci vraiment. Moi, je m'appelle Zidane. Je suis l'entraîneur de AS Mambo de Kindia. Et c'est dans ce club que Ali Ali a commencé à jouer. J'ai été son premier entraîneur local. Bon, ce que je connais à propos de la carrière footballistique du jeune joueur, il était avec moi, il s'entraînait bien et j'avais vu qu'il avait vraiment de l'avenir dans le foot. Bon, comme il n'avait pas aussi beaucoup l'expérience de vie, parfois il quittait au terrain. Je le cherchais partout, en ville ici. Bon, il fallait vraiment le retrouver dans les bases de l'hôtellerie. C'est un jeu qu'il a beaucoup aimé. Bon, au fait, quand j'ai vu que vraiment il avait de l'avenir, j'ai pris le contrôle de sa vie. J'ai commencé à le forcer, je lui ai reproché plusieurs fois. Et dès qu'il a compris, il a changé. Même les techniques de jeu ont été vraiment améliorées. Et il est resté ici. C'est de là qu'il a reçu l'appel de FC Gangan, c'est aussi un club qui est ici à Kindia. Il est resté là-bas, bon, vu aussi son talent. Un jour, j'ai reçu l'appel de son frère. Il a appelé vraiment sans que Ali Ali ne soit au courant. Il m'a demandé comment évoluait la carrière footballistique de son petit frère. Je lui ai dit vraiment sans commentaire. Actuellement à Kindia, il est vraiment le meilleur. Parce qu'on dit connaître, n'est-ce pas, la valeur de son prochain ne veut pas dire qu'on n'est pas valeureux, mais vraiment il faut reconnaître l'effort fourni, l'effort consenti. Bon, son frère pensait que parce que je veux juste flatter Ali Ali, mais je lui ai dit c'est pas ça. Le petit, il a vraiment du talent. Et c'est ainsi qu'il m'a dit de le préparer afin qu'il puisse venir, n'est-ce pas, en Tunisie. Et on a tout fait, ce que je pouvais, j'ai fait ça, je n'avais rien quand même. Mais les démarches, j'étais là, j'étais toujours disponible. Et vraiment aujourd'hui, si je vois qu'il a évolué, c'est vraiment une fierté pour moi. Même si je ne suis pas connu mondialement, mais Ali Ali, consciencieusement, sait vraiment d'où il vient et il le prouve toujours. Vraiment, je ne peux pas trop dire sans commentaire, je ne peux que le souhaiter bonne chance. Et vraiment, merci à vous. Inato Yali de Rafito, Wakolo Sabuna Senine, Anta Balikana Fora, Ababa Balikana Fora. Son grand sœur, quelle fois la camara.
yo Moni tantuma Moni masema Ipanta walina hamna baba na mbombe beyandi Jidan, sabu fanye nira Suyo nyongo meta tumabili na mbuma Ifekwe bela pane yali yali rafira Nana de rafetu Yali yali, inamane musa bumas Sabu fanye nira Moi j'ai vu mon rôle avec son frère. Je connais très bien Alkali Bangoua de la Tunisie. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un joueur qui va nous apporter beaucoup de choses, qui va nous donner beaucoup beaucoup de choses. Compte tenu de son talent, il est très bien entouré par ses frères, par sa famille, par ses amis. Et donc aujourd'hui, ça va donner beaucoup 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 de fruits. Inch'Allah pour nous, pour demain et pour la réussite pour tout le monde. Aujourd'hui, Alkali Bangoura, tout connaît, tout Kinyan le connaît. Et toute la Guinée le connaît. Tout le monde le connaît. Mais ça vient de travail par un agent. Puis je dis ça en haute et fort. Vraiment, j'ai fait mon travail. Et aujourd'hui, c'est pour cela que mon petit est devenu un très bon talent. On le connaît de son grand frère, Alkali Bangoura Mambou. Et il m'a aidé beaucoup de choses. Aujourd'hui, Alkali Bangoura, vraiment, je suis son agent. Quand l'invitation est sortie, j'ai ramené l'invitation. C'est ainsi qu'il a quitté ici pour la Tunisie. Une fois sur place, moi j'étais là. Les premières semaines de son test, déjà le premier jour, dès qu'il a commencé les entournées, il a tapé l'œil des entournées qui étaient là. Parce que déjà nous, on est là-bas, ça fait plus de 10 ans à ce moment. Donc on connaît comment, si un jour vient, s'il doit être retenu, on le sent à travers les gestes, les paroles des arabes, évidemment. Et son agent avocat Kamara Taba, qui était là à l'époque, qui connaît bien l'environnement de l'étoile, parce qu'il a travaillé longtemps là-bas avec les Oumar Kalaban et beaucoup d'autres joueurs comme Mohamed Sako de l'étoile, les ex-internationaux guinéens. Donc, dès après les séances d'entraînement, les entraîneurs, le causerie que les entraîneurs faisaient avec lui, il a compris directement que oui, on a fait un bon pioche. Il est venu me dire, il m'a dit, ah, je crois que ça va être bon. À une semaine de sa venue là-bas, il y avait un ex-international qui avait remporté l'unique trophée de l'étoile de sel en Ligue des Champions contre face à l'Ali, qui est venu, qui a regardé un peu le style de jeu que le gamin avait. Il avait même comparé à l'époque à leur meilleur joueur étranger qui était avec lui, c'était un Nigérien. J'étais là, j'étais ébahi. J'ai dit, ok, c'est que si tu vois que c'est des connaisseurs de football, si tu prouves que le petit, il peut comparer ce gamin qui n'a rien prouvé d'avoir l'étoile à ces gens qui ont tout cantonné à l'étoile jusqu'à ce qu'ils sont partis en Europe, je me suis dit, c'est intéressant, ça doit être intéressant. Et de toute façon, moi, je vais encore continuer à encourager mon jeu, je vais mettre la pression sur lui parce qu'il faut qu'il réussisse. C'est la seule voie pour lui. La note, Jonathan, for those who know him so well, he's a no-nonsense referee for 2008 and two final phases of the World Cup in 2006. Je suis national qui se demande pourquoi ça ne se concrétise pas cette domination. Belle petite réaction, jaillissement qui permet de récupérer, mais pas pour longtemps, les Guinéens s'amusent dans la surface de réparation. Try to find Jacques Soir, but unfortunately, Baldi Oli. As head coach Hugo Boss gets set to send in two more players, I see Aboubakar Vincent and Anno Djoum warming up. Il se réjouit. I was about saying, Gaël, that you won't want to believe with the impressive play style from this team this evening. They are last in their group. Malgré les changements qui pour l'instant ne portent pas de fruits. It's Ligue Nationale. Ok, merci Monsieur Alali Bangoura. On voulait savoir aussi à propos de l'équipe nationale, parce qu'on t'a vu briller pendant les qualifications de ces CAN. Mais bon, vous n'avez pas été sélectionné au grand finale. Donc on pouvait savoir, vous pouvez nous expliquer un peu sur ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est Dieu qui n'a pas voulu. Sinon. J'ai participé presque tout quand même. J'ai été sélectionné parmi les six matchs
Donc, du coup, la liste est sortie pour aller à la CAN. La liste était là. Je n'ai pas vu le nom. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé et je ne veux même pas en parler. Parce que beaucoup de gens connaissent ce qui s'est passé. Donc, Dieu ne dort pas. Tout le monde veut le bonheur de la Guinée. Tant que joueur, je ne peux pas rentrer dans les détails. Alors, Rambi, Dunia Febirin Sabunama, Yali Yali, Iralo Barali, Barali, Barali. On a tout, Yali de Rafetu, Wakolon Sabuna Senine, Anta Balikana Fora, Ababa Balikana Fora, Imato Yali de Rafetu, Umato Yali de Ramane. Yali yali, passe rabida sou la Guinée ya manu rotirira, moua ma coupe nango, ira katebiri naba moura coupe soto, oregra gbegbe ania doni nama dahui bari, yali yali tante sobe nankoma, inama weyende fera banyama langi nakama, bisa ira coupe raso la Guinée biri wama nanangoma, mouya rotirira, unato yali de refito, wakolo sabuna senine, anda balikana fora, ababa balikana fora. Je vous remercie de m'avoir donné la parole de m'exprimer sur le sujet de mon petit Alakali Bangwa. Je suis né à Kindia et grandi à Kindia, quartier Balieu. Mais aujourd'hui, quand je suis à Kindia, c'est grâce à Alakali Bangwa. Nous sommes toujours ensemble, donc je connais très bien sa famille. C'est un enfant, un tout petit enfant qui respecte tout le monde, qui règle le problème de tout un chacun, selon sa possibilité. Le football, c'est le destin. Sinon, j'étais le premier à jouer le football. Mais aujourd'hui, si il est devenu quelqu'un à son tour, il nous appelle tous auprès de lui, pour conjuguer le même verbe, Alakali Bangwa, depuis son premier contrat professionnel, quand il vient en Guinée, il m'appelle de Conakry. Je viens pour qu'on passe le week-end ensemble. Alakali Bangwa a rencontré beaucoup de difficultés. Tous les grands clubs tunisiens faisaient concurrence à l'Étoile du Sahel. Donc, vers la fin, son nom ne figure point sur la liste des sélectionnés. Néanmoins, il s'entraînait et faisait tout avec le club. Mais son entraîneur ne faisait qu'à refuser de le sélectionner. Fin de la biographie de Yali Yali Bangwa.